Richaud s'approche du départ. Les choses s'approchent du départ. Les choses s'approchent une nouvelle fois du départ. Et les voilà partis pour la sixième course, le prix des Frères Muller, 2600 mètres à parcourir autrement avec le numéro 1, Quito de Valsoise qui a complètement manqué son départ. On retrouve pendant ce temps Pepito Dupont en tête avec Tonardo Online qui est en deuxième position le long de la corde. Le numéro 3, il s'agit de Pactol de Ballon avec en quatrième position One Way JL. Un peu plus loin, Viona qui s'est très bien élancé, qui vient avec Planet Foot pardon, dans son sillage. Pacha du Ramirou venant ensuite, la marche est fermée pour l'instant par le numéro 10, Platine de Cambron. On sort du premier tournant avec Pepito Dupont qui contrôle les opérations. À son extérieur vient désormais le numéro 3, c'est Pactol de Ballon. En troisième position, le 4, Tornado Online, avec ensuite le long de la corde One Way JL. À l'extérieur, Viona qui est en troisième épaisseur avec au centre le numéro 13, Nolik de la Mérité. On vient un peu plus loin avec Pacha du Ramirou, suivi par Planet Foot. Devant le long de la corde, le numéro 8, Puncherka. Le bout de la ligne en face dans quelques instants avec la tête et la corde pour le numéro 3, Pactol de Ballon. En deuxième position, Viona qui est à son extérieur, Pepito Dupont est troisième avec à sa hauteur Tornado Online, One Way JL trotte en cinquième position avec à sa hauteur le numéro 13 Nolik de la Mérité, précède ensuite Pacha du Ramirou et avec Planet Foot qui vient à l'extérieur. Sortie du tournant dans quelques instants avec toujours l'avantage pour le numéro 3, c'est Pactol de Ballon, Viona qui est à sa hauteur, Planet Foot poursuit son rapprochement. C'est une faute de One Way JL qui disparaît, One Way JL numéro 5. 5 disqualifiés, One Way JL. Passage devant les tribunes, Pactol de Ballon, Viona qui ont l'avantage, Planet Foot encore plus à l'extérieur devant Pepito Dupont qui est en 3ème position, Tornado Online est 5ème avec un peu plus loin le numéro 13, c'est Nolik de la Mérité. Côté corde se trouve Pacha du Ramirou avec un peu plus loin le numéro 8, Puncherka. On retrouve pour l'instant à l'arrière-garde le numéro 9, c'est Pomerol Dumouriez. On aborde les 1000 derniers mètres dans quelques instants avec Viona maintenant qui a pris l'avantage et Florian Joseph à son extérieur. Le numéro 3, Pactol de Ballon, avec en troisième position Pepito, le numéro 2, Pepito Dupont. Et voilà Planet Foot qui repasse à l'attaque à l'extérieur. Début de la ligne d'en face, Viona, Planet Foot qui ont l'avantage devant Pactol de Ballon et Pepito Dupont. En cinquième position, Tornado Online, avec un petit peu plus loin le numéro 13 qui tente de garder le contact. C'est Nolik de la Mérité. Pacha du Ramirou tente de faire mouvement également avec Pomerol Dumouriez. Bout de la ligne d'en face dans quelques instants, Viona qui réaccélère devant Pepito Dupont, avec en troisième position Pactol de Ballon. Planet Foot est passé en quatrième position avec le
long de la corde. Tornado Online qui tente de revenir, suivi par le numéro 13, Nolik de la Mérité, entrée du tournant final. Viona toujours qu'à l'avantage, 2-3 longueurs à l'avance sur Pépito Dupont, avec en troisième position Pactole de ballon. Un peu plus loin se trouve Tornado Online avec Planet Foot qui tente de revenir devant encore Pomerol du Mourier, sortie du tournant final avec Viona toujours qu'à l'avantage devant Pépito Dupont. À son extérieur se trouve le numéro 3, c'est Pactole de ballon, alors que Tornado Online est en quatrième position le long de la corde. Il reste maintenant 200 mètres à parcourir avec Viona toujours qu'à l'avantage en deuxième position. Tornado Online qui revient à la corde avec Pépito Dupont, avec encore plus en dehors Pactole de ballon. À 150 mètres de l'arrivée, Viona qui contrôle facilement les opérations devant Tornado Online en troisième position. Pépito Dupont avec Viona qui l'emporte très facilement. La deuxième place pour Tornado Online, troisième place pour Pépito Dupont devant Pactole de ballon.